Bienvenue à cette belle fête de la miséricorde, ce dimanche de grâce. Nous avons voulu vous faire un cadeau. 14 musiciens de la communauté Shalom de plusieurs parties de la planète chantent aujourd'hui avec vous la miséricorde de Dieu. Alors nous allons commencer par chanter cette fidélité de Dieu qui est là toujours dans les moments d'épreuve comme dans les moments d'abondance. Il est toujours là et en lui, nous pouvons faire confiance. Jamais trouvé un Dieu si grand, si fort que toi, un Dieu qui se révèle au plus petit, un Dieu qui ouvre la mer, un Dieu qui peut guérir, qui peut sauver, qui peut nous pardonner, il veut nous libérer. Dieu qui le Seigneur avec les paroles de la petite Thérèse. C'est une chanson qui est basée sur l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, offrons aussi nos cœurs et nos vies à celui qui est miséricorde, à celui qui nous aime jusqu'au point de se donner, de donner sa vie pour nous. Sainte, mais je vois, je suis impuissante. Viens à mon secours, sois toi-même ma sainteté.
trésors de mon époux sont à moi, car je suis à lui. Regarde-moi par ses yeux, par son cœur. Plus je veux donner, Seigneur, plus tu me fais désirer. Je ressens en mon cœur des désirs merveilleux, immenses et éternels. Oui, par ton divin regard, brûle et purifie mon âme des imperfections par le feu qui déborde et transforme. Par amour, je t'offre toute ma vie. Par amour, je t'offre toute ma vie. Holocauste à ton amour infini. C'est dans ta miséricorde que je vis. Par amour, je t'offre toute ma vie. Holocauste à ton amour infini. Reçois, mon Dieu, ce que j'ai, ce que je suis. Je veux me lancer sans hésiter, sans peur, chaque jour à chaque battement de cœur, comme un martyr de l'amour, livré pour toujours miséricorde, oh Dieu. Je veux me lancer sans hésiter, sans peur, chaque jour à chaque battement de cœur, comme un martyr de l'amour, livré pour toujours à ta miséricorde, oh Dieu. Par amour, continuons cette soirée de la miséricorde avec nos frères qui sont à Toulon, Sarah et Samuel. Shalom. Bonsoir, Amanda. Merci et bonne fête de la Divine Miséricorde. Bonne fête à vous tous et merci d'être ici avec nous ce soir. Christ est ressuscité. Alléluia. Oui, il est vraiment ressuscité.
C'est avec une grande joie que nous allons chanter ce soir, être ensemble avec vous pour célébrer la miséricorde de Dieu. On y va? On y va. Venez chantons le Seigneur dans la joie. Revenons à la maison du Père, il nous ouvre ses bras. Venez au banquet de son grand amour. Jubilez car celui qui était mort revient à la vie. Toute adoration, tout honneur et gloire à l'agneau de Dieu, il est vainqueur. Toutes les nations chanteront la force et la miséricorde du Seigneur. Du Seigneur, vêtu de sa miséricorde et de sa compassion. Il est sauvé, racheté par la croix, envoyé pour chanter dans le monde la joie de la femme. Toute adoration, tout honneur et gloire à l'agneau de Dieu, il est vainqueur. Toutes les nations chanteront la force et la misère. Connaissons cette prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Cela, c'était une inspiration de Jésus à Sainte Faustine pour exprimer sa confiance absolue en cette miséricorde, en ce Jésus miséricordieux. C'est pour ça que nous vous invitons aussi à chanter avec nous, que nous avons confiance en lui. Ton silence, j'écoute la voix qui peut apaiser.
seule présence me sauvera. Si c'est toi qui me conduis, je serai comme un enfant dans les bras de son père. Dans la tempête, je n'ai pas peur. Ta fidélité fortifie mon cœur. Participer avec nous. Et nous continuons notre louange avec Justine, direct de Boston. Shalom. Shalom, merci beaucoup. Merci Sarah et Samuel. Bonsoir à tous. Une très joyeuse Pâques à vous tous. Et pour fêter la joie de la résurrection, nous allons donc chanter deux chansons ensemble ce soir. Qui donc est Dieu pour se livrer paix?
Dieu qui pleure notre mal comme une mère. Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Si fort blessé en blessant l'homme, qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu? L'amour est-il son nom? T'aimer, Seigneur, plus que moi-même. T'aimer, Seigneur, au-dessus de tout bien. T'aimer, Seigneur, plus que les miens. T'aimer, Seigneur, et te donner toute ma vie. T'aimer, Seigneur, plus que moi-même. T'aimer, Seigneur, au-dessus de tout bien. T'aimer, Seigneur, plus que les miens. T'aimer, Seigneur, et te donner toute ma vie, de toute ma force. Et te donner toute ma vie, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur, mon Dieu, je ne vivrai que pour t'adorer. T'aimer, Seigneur, t'aimer, Seigneur, te donner toute ma vie. Ouh.
Et voilà, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais laisser ma place à Bruno, mon frère qui habite en Tunisie, à Sfax. Et je vous dis à très bientôt et une très bonne fête de la miséricorde. Ciao. Merci Justine de nous avoir conduits jusqu'ici depuis Boston. C'est vrai, le Christ, il est ressuscité. Il est apparu aux apôtres en Galilée, un peu de partout à Boston. Et maintenant, il est ici à Sfax. Bienvenue chez moi en Tunisie. Continuons à chanter ce Christ qui est ressuscité et surtout ce Christ qui nous aime avec un amour miséricordieux. Mettons en lui notre confiance et notre espérance. Les paroles de la petite Thérèse qui a bien su se mettre sur la protection de cet amour miséricordieux et infini. Avec elle, faisons aussi, mettons aussi dans le Seigneur notre confiance.
je reconnais ma pauvreté, ma petitesse, je vis de ta miséricorde, mon Dieu. Je ne veux pas des choses trop grandes, trop élevées pour moi. Alors je mets en toi mon espérance, ô roi. Maintenant et à jamais, j'ai l'âme calme comme un enfant. Je me laisse guider par comme un enfant, ce vrai qui est auprès de sa mère, dans la paix, la douceur, je suis rassasié de toi. Alors je mets en toi mon espèce. Rempli de cette confiance dans le Seigneur, continuons notre parcours en allant maintenant à Avignon avec Bianca et Radamex. Shalom! Le Christ est ressuscité, alléluia! Il est vraiment ressuscité, alléluia! Un grand merci à notre frère Bruno qui est en mission en Tunisie. Et maintenant, soyez les bienvenus à Avignon, au sud de la France, dans la région de la Provence. Moi, je suis Radamex, Bianca et Paolo. Nous sommes là réunis, rassemblés pour faire quoi, Bianca? Qu'est-ce qu'on va faire là encore? Pour louer le Seigneur, faire la fête avec le Seigneur. Bien sûr, parce que Jésus il est vivant, il a vaincu la mort. Et pour cela, nous voulons commencer en proclamant que le Seigneur, il est vainqueur. On y va, Paolo? Allez. On y va, Bianca? Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4. Seigneur qui a vaincu la mort pour toujours. Et par sa lumière, il a dissipé les ténèbres en nous. Les épreuves, nos doutes ne peuvent ébranler la foi de celui qui met dans le Seigneur sa vie et son espoir. Rien ne pourra nous empêcher d'élever nos voix pour chanter la bonté, la louange de Dieu. Il mérite tout l'amour de notre cœur. Il est vivant, oui, il est vivant, et de la mort il nous a délivrés. Oui, il est vainqueur, c'est pas un
amour qui nous a rachetés. Oui, il est vivant et de la mort il nous a délivrés. Oui, il est vainqueur, c'est par amour qui nous a rachetés, le Seigneur. Oh, 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 oh. Et chantons encore, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur qui a vaincu la mort pour toujours. Et par sa lumière, il a dissipé les ténèbres en nous. Les épreuves nous doutent, le peuple ébranlé la foi. De celui qui me donne au Seigneur sa vie et son espoir. Élevez nos voix pour chanter la bonté, la louange de Dieu qui mérite tout l'amour de notre cœur. Et chantons car Jésus est bon, oui, il est vivant et de la mort il nous a délivrés. Oui, il est vainqueur, c'est par amour qui nous a rachetés. Oui, il est vivant et de la mort il nous a délivrés. Oui, il est vainqueur, c'est par amour qui nous a rachetés, le Seigneur. Oh, oh. C'est par amour qui nous a rachetés. Oui, il est vivant et de la mort il nous a délivrés. Oui, il est vainqueur. C'est par amour qui nous a rachetés, le Seigneur. Oh, 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 oh. Qu'il a conquis notre cœur, le Seigneur qui a vaincu la mort pour toujours. Ce que nous allons chanter maintenant, c'est qu'il est notre douceur, mais celui qui a conquis notre cœur pour toujours. Chantons ensemble. Amour, la bonne âme.
De notre joie, c'est toi le shalom du Père, c'est toi la paix de Dieu. En toi, Jésus, nous avons la réconciliation. En toi, Seigneur, nous avons la nouvelle vie. Merci pour ta miséricorde. Oui, Seigneur, ta miséricorde nous guérit, ta miséricorde nous rend libre. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur. Nous voulons encore te chanter, nous voulons proclamer ton amour et ta miséricorde. Restez avec nous. Nous invitons pour que vous puissiez aussi rester avec nous, continuer dans cette longue. Nous allons partir en voyage maintenant. Hein, ben oui, nous allons au Brésil maintenant avec notre sœur Mylène. Donc, profitons-en. Au revoir. Shalom. Merci beaucoup, Radamex. Merci beaucoup, Bianca. Noé Mylène, on va continuer ce show de miséricorde avec cette chanson de contemplation de la bonté et de l'amour de Dieu. Tu es la vie de mon âme.
ma paix et rien ne pourrait t'égaler. Tu es mon tout, mon maître, tu viens à moi si pauvre et rien ne pourrait t'arrêter. Alors que faire, mon Seigneur, si ce n'est aimer éperdument et sans compter? Et même dans ma faiblesse, m'abandonner, te servir pour l'éternité, seul ta voix. Cette miséricorde qui nous touche au plus profond de nos âmes, qui pardonne tous nos péchés. Et oui, il n'y a pas un seul péché que le Seigneur ne peut pardonner. Alors reprenons ce refrain en invoquant sa miséricorde sur nous, sur notre faiblesse, sur notre petitesse. Seul ta voix m'apaise, ton amour fidèle me rassasie comme un feu dans mon cœur qui brûle en douceur ce que j'ai et je suis. Seul ta voix avec ce chant de louange que la Vierge Marie a chanté en visitant sa cousine Isabelle. Et aujourd'hui, nous chantons ce chant pour acclamer la louange et la miséricorde du Seigneur. Je vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur. Je vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur. Oui, mon âme se réjouit dans le Seigneur, mon esprit exulte dans le Dieu très haut, mon Sauveur. Oh Marie, il t'a choisi, t'a élevé. Il a mis les yeux sur ton humilité, avec toi je dirai. Je vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur.
vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur. Toutes les générations me béniront, car le Tout-Puissant a visité ton cœur, c'est ton nom. Il a fait de grandes choses par sa main. Il nous a tous relevés par ton dessein d'amour. Oh Marie, je vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur. Je vis dans la joie, dans le Dieu de mon salut, je me réjouis dans le Seigneur. Merci beaucoup. Encore une fois, joyeuse Pâques. Et nous allons maintenant passer au Père Cristiano à Rome. Au revoir. Merci beaucoup, chère Mylène. Joyeuse Pâques, Christ est ressuscité. Et maintenant, on va chanter l'expérience de la miséricorde dans la vie de l'apôtre Pierre, qui a eu l'expérience du regard aimant, du regard plein de pitié du Seigneur sur lui. Bonne fête de la miséricorde à tous.
te dis oui. Pour les tiens, je donne ma vie. Pour t'aimer, j'ouvrirai tout mon cœur. Je n'ai pas peur, tu es mon rocher, mon bonheur. Désormais, je n'ai d'autre horizon. Toi seul, les paroles de vie éternelle. Pour t'aimer, j'ouvrirai tout mon cœur. Je n'ai pas peur, tu es mon rocher, mon bonheur. Désormais, je n'ai d'autre horizon. Toi seul as les paroles de vie éternelle. Toi seul as les paroles de vie de paix. Oh Dieu fidèle. Bonne fête de la miséricorde à tous. Et avec vous directement de Cayenne, en Guyane française, Aline et Case. Shalom! Merci Père Cristiano, bonsoir à tous, bonsoir à nous. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer cette miséricorde qui approche, n'est-ce pas? Je m'appelle Case de la communauté d'Alliance. Voici Henri, voici Aline. Et ensemble, nous voulons chanter avec toi cette miséricorde qui vient pour nous aimer. Et aussi, j'invite petite Thérèse, elle qui nous accompagne depuis si longtemps, pour chanter ce beau chant de la miséricorde. Petite voix me conduira vers tes autels, ô mon roi. Comme un enfant, je trouverai ma place entre tes mains. L'ascenseur qui me prendra et conduira au ciel, ce sont tes bras, ô mon Jésus. Grandir m'est impossible, je dois me supporter tel que je suis. Je ne veux pas être grand, je veux être ton petit enfant. Comme les oiseaux volent librement, comme la rose caresse les champs, tes petits sont aimés de toi, Seigneur. Vers tes bras, je cours dans ton âme.
cet amour qui est grand, cet amour qui est infini. C'est cet amour que nous désirons, que nous voulons, n'est-ce pas, Aline? Nous voulons tous recevoir cet amour du Seigneur, cet amour qui est grand, qui est infini. Mais Keith, tu avais oublié de présenter deux amis qui sont là ce soir avec nous, qui ont été des vrais témoins de la miséricorde divine. Nous avons ici les reliques des saints Jean-Paul II et des saintes Faustine qui sont là pour intercéder pour nous pour cette soirée de fête, pour que le Seigneur déverse sur nous tous sa miséricorde infinie. Donc, par leur exemple, nous puissions aussi témoigner et proclamer la miséricorde de Dieu dans tout le monde. Proclamer que l'amour du Seigneur est plus fort que la mort, que l'amour du Seigneur est plus fort que cette situation dont nous sommes en train de vivre maintenant. Que le Seigneur puisse te visiter ce soir et transformer ton cœur par cet amour infini. Miséricorde divine. Maintenant, nous allons partir au Brésil, à João Pessoa, avec Leonardo Bion. Né,
Merci Aline, merci à vous qui êtes avec la communauté catholique Shalom pour célébrer la miséricorde de Dieu. Je suis Leonardo, et je suis de la communauté ainsi que mon épouse Savonia. Nous avons 3 enfants qui sont par là dans la maison et nous habitons au Brésil. Et c'est une joie d'être là avec vous. Nous allons faire 2 chants et à travers ce chant-là, parler de cette immense, infinie miséricorde de Dieu. Le premier, c'est un psaume, le psaume 145. Sa miséricorde. Je compte aussi sur votre miséricorde par rapport à mon accent et mes erreurs en français, si jamais ils arrivent. Hein. Et voilà, le deuxième chant, il est basé sur un spectacle que nous avons présenté lors du Festival d'Avignon avec Pedro, qui était le responsable de la mission en ces temps-là. Et il parle, il nous rappelle que nous ne pouvons jamais oublier les faits du Seigneur, ce que Dieu fait dans nos vies. En ces temps de défi, peut-être que nous sommes tentés de ne pas penser à ce qu'il a fait de bien pour nous et ce qu'il fait maintenant, et croire en tout ce qu'il fera. Il ne faut pas oublier, Dieu est miséricorde. Dieu a fait pour toi, en toi, tant de merveilles. N'oublie jamais plus ce que Dieu a fait pour toi, en toi, tant d'amour et de joie.
vers lui, ton secours et ton abri, car il est toujours fidèle, son amour est éternel. Jamais que le Seigneur est avec vous et il fait des merveilles. Je vous embrasse tous, j'embrasse mes amis en France, je vous souhaite une joyeuse Pâques, une bonne préparation pour la Pentecôte, et vous restez avec Deliane et Cléodon de la mission d'Aix-en-Provence. Shalom! Merci beaucoup, Leonardo. Merci pour ces très beaux chants et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et nous continuons à chanter la miséricorde de Dieu et toutes les merveilles qu'il a faites dans nos vies et qu'il est en train de faire en ce jour de résurrection, de grâce, de Pâques. Je vois tous les matins que tes miséricordes sont renouvelées. Ton nom, je te bénis.
Amen. Donc, en ce jour encore de la miséricorde du Seigneur, nous voulons chanter la miséricorde qui jaillit de son cœur transpercé, qui est déversée sur nous. Le Seigneur qui nous invite aujourd'hui aussi à cette union avec lui, à cette union à nous unir et nous laisser être enflammés par son amour miséricordieux, par son amour très miséricordieux qui est déversé sur nous. Donc nous allons chanter ce chant en chantant cette miséricorde. Shalom. Shalom.